là. Ah ouais, mon Marvel fanboy. Bon, je vais pec. Bon. Vous allez voir Spider-Man dans le Spider-Verse. Moi j'ai trouvé ça bon. Je vais commencer en disant que c'était un excellent film. Ben, un excellent animé, parce que c'est un film animé, d'animation. J'ai trouvé l'animation excellente, sérieuse. L'animation était. Elle savait comment rendre les moments épiques, puis c'est rare l'animation, je trouve, puis pour vrai, c'était extrêmement bien réalisé. Moi, je donne une note de 7.5 sur 10. Pour un film d'animation, là. Ben, je trouvais, pour un film d'animé, que c'était bien structuré, que ça permettait de voir plus loin que juste le Spider-Man qu'on connaît plutôt par cœur, avec justement Miles Morales, puis Gwen, justement, que tu sais, on l'a vu dans Amazing Spider-Man. Puis que là, ça rend comme dans la team de Spider, parce qu'elle a les mêmes attributs que Spider-Man, puis qu'il y a d'autres aussi, d'autres éléments. Le jeu des couleurs, j'ai bien aimé ça, parce que c'était beaucoup coloré. Malgré moi, puis c'était comme les bandes dessinées. Ouais, c'était la même thématique qu'une bande dessinée. En gros, si vous appréciez le genre cartoon, pas le style comme on voit un peu dans les animés quand on est plus jeune, mais c'est vraiment un style comme ça serait une bande dessinée qui serait plus. Ouais, c'est pas une Disney. Qui ferait la vraie vie. C'est pas un Disney. C'est pas un Disney. Sinon, pour ma part, j'ai bien aimé le jeu d'émotions des personnages. C'est bien rare qu'on peut s'attendre sur un coup d'une situation. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est dramatique là, je trouvais ça cool. Qui ont été capables de véhiculer l'émotion, j'ai bien aimé ce principe là. C'était bien animé les personnages dans ce que je trouve, moi. Ouais. C'était bien animé. Ben, même s'il était Christmas cartoon, comparé à d'autres animés, ça veut dire. Sans trop aller dans les détails qui sont pas vraiment essentiels. Ben, on peut pas vraiment spoiler un peu de même parce que ça finit tout le temps pareil de toute façon. Là. Ouais, en tout cas, je donne 7 sur 10. Ah, je te laisse. Ah là, c'est le plus haut, man. On a 14 points déjà sur un film, man. On a déjà mis 14 points sur toutes les points. Bon, moi, pour ma part. La critique négative, elle sert à rien. Le hater de Marvel est arrivé. J'aurais quand même donné une bonne note, mais pour ma part, Spider-Man, c'est pas le personnage que je trippe le plus. Mais j'ai quand même apprécié le film. J'ai préféré ce film-là à Spider-Man Homecoming. Pis qu'aux deux Amazing Spider-Man. Mais j'ai préféré les films avec Tobey Maguire, pour ma part. Ça reste mon Spider-Man. Ben pour ma part aussi, mais il faut aussi dire qu'il y a une petite taille. Ouais, mais tu sais, le film il est cool, l'animation est bonne. Quoique au début, j'ai eu vraiment de la misère. Quand on a vu comme Miles pour la première fois, je trouvais que l'animation était pas fluide. Mais je pense parce que c'est un style d'animation qu'on voit pas souvent, puis j'ai l'impression que c'était comme saccadé les mouvements. Mais à un moment donné, tu rentres dedans, puis tu le remarques même plus, puis t'es comme habitué au style. Ouais. Mais au début, j'étais genre. Boy, mais c'est vraiment des palettes de bande dessinée, là. Ouais, les paragraphes, des fois. Ouais, mais moi, c'est pas ça, je pense. Je parle vraiment de l'image quand le bonhomme bougeait au début. Je trouvais que c'était. Ouais, mettons, c'était comme. Ils sautaient comme une image, mettons, son bruit est là, puis après, c'était là. C'était comme genre pas fluide. Vraiment. Au début. Ouais. En tout cas, après ça, je l'ai pas remarqué, peut-être, parce que je me suis comme habitué à cette animation-là. Mais la première fois que j'ai vu Miles descendre les escaliers, tout de chez eux, partir à l'école, là, je trouvais que c'était comme. Ouais, ok, l'animation est vraiment poche. Mais pas les dessins mauvais ni rien de ça, mais genre que ça, c'est comme. Tu trouvais en tant que tel que c'était moins fluide que si, mettons, qu'on prend un exemple, les industries. Les industries. Bon, quoi? Bon, c'est plus là, les ceux qui sont une combinaison rouge avec un point. Il est indestructible. Ça, c'est plus fluide. En fait, c'est leur mouvement qui était comme pas fluide, mais après ça, je l'ai comme plus remarqué. C'est surtout au début, peut-être, parce qu'à un moment donné, je me suis comme habitué à l'animation. Sinon, j'ai aimé l'histoire du film quand même, parce que tu sais, l'histoire grosso modo, c'est qu'il y a plusieurs Spider-Man pis tout, pis il y a une dimension parallèle. J'ai aimé ça, pis le fait que ce soit pas juste Peter Parker, c'est nouveau, parce que Peter Parker. Il y a plusieurs versions de lui en fait. Ouais, aussi, mais tu sais, le personnage principal, c'est pas Peter Parker vraiment. Ça, c'est cool, parce qu'on voit un nouveau personnage qu'on connaît dans les comics aussi, Miles dans ce cas-là. Les points négatifs, moi, c'est vraiment de l'animation au début. Mais surtout le méchant, on voit pas ben, le méchant.
Parce qu'ils ont pas introduit, ils sont mal introduits, les méchants. Mais je trouve qu'il y a pas de... Ils arrivent out of nowhere tout le temps, pis ils disent pas leur nom, pis tu sais pas où ils sortent. Ouais, à part Wilson Fisk, là, tu sais, c'est pas un spoil. Non, non, le dit ouais. Mais tu sais, pis même là, il est pas tant développé que ça. Ouais. Sinon, ben c'est sûr, c'est un film quand même avec beaucoup d'humour, mais tu sais, c'est... Tous les personnages ont leur dose d'humour un peu. Ben, il y a un conscient, ouais, mec. Ouais, mais tu sais, c'est comme tu disais, l'humour est pas juste centré sur lui, fait que ça. Ouais, ben, c'est ça, le bouquet de mon beau, genre... C'est ça. Il y a des moments dramatiques, ça c'est le fun, c'est touchant quand même. Ben, je m'en disais, je veux des acteurs est bon, mais le doublage est bon. Moi, je considère qu'on pense. L'animation est bonne, c'est sûr. C'est, tu vois vraiment. Les émotions sont vraiment transmises. Je trouvais qu'il n'y avait pas tant de scènes d'action. En gros, il nous passait par des amalgames d'émotions, de la joie, de la tristesse, de l'action, tout ce qui venait avec. Ils n'ont pas mis de l'emphase sur une émotion en particulier, ils ont joué sur la diversité des émotions. Que je considère. Mmh. Moi, ma note sur 10, ce serait un 6.5. T'as pas remarqué si tu l'as le meilleur des cotes? C'est parce qu'on a 20 en tout, hein? Ben 21 en tout. But there is another universe. It looks and sounds like yours, but it's not. Un méchant qui veut rapporter sa femme, mais... En tout cas, on va dire ça de moi parce que c'est moi que vous le voyez, mais moi je le vois pas de moi. Ah, mais dans le film, c'est ça, pareil. Il veut rapporter sa femme parce qu'il espère le mal de tuer sa femme. Mais en fait, il l'a pas vraiment tué. C'est à cause de lui-même qui s'est pas passé. En fait, c'est parce que... Mais est-ce qu'il blâme Spider-Man? Ouais, parce que... Mais il blâme, mais dans le fond, c'est lui qui doit se blâmer lui-même parce que c'est lui qui aurait causé la... Comment je pourrais dire ça? La fuite de sa femme et de son fils. La mort accidentelle. Ouais. Parce qu'il rouvre avec une machine... je sais pas comment on l'appelle, mais je sais plus, moi. Puis il y a plein d'univers qui se confondent. En fait, il y en a 5 dans le film qui se confondent. Il y a l'univers normal de Marvel, l'univers de Tobey Maguire, qui est Spider. C'est le même personnage, sauf beaucoup plus long, ben, beaucoup plus loin dans le temps. Il est beaucoup plus vieux. Il y a Spider-Gwen qui arrive. Il y a une chinoise que je sais pas de qui. J'ai lu des BD, j'ai jamais vu. Il y a le cochon, c'est pas le man noir, doublé par Nicolas Cage. Puis il y en a un autre, c'est pas le man, comment il s'appelle, donc Peter B. Parker, là. Peter Sup. Le vieux? Ouais, le petit. T'es bien drôle. Ouais. 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 C'est mon préféré là, dans les autres. Parce que le noir, on le voit pas souvent, je trouve. Non, ben le noir, la chinoise, pis le Spider Cochon, on les voit pas souvent. Pas. Ouais. C'est plus Spider-Gwen, pis Peter Parker, là, tu vois, pis Miles. Ouais. Mais moi, c'est plus aux autres que j'ai retenu. Mais j'ai pas compris pourquoi Spider-Gwen est arrivé avant tout le monde. C'est bien sûr qu'il est arrivé une semaine avant. Tu sais, elle dit, mais tu sais, c'est pas expliqué pourquoi. Elle, Non plus, j'ai pas compris. Même si c'est un fan, j'ai pas compris pourquoi elle est arrivée avant tout le monde. Mais ok. C'est un croisement, ils avaient collé pis tout avant, pis... Pourquoi? Je sais pas, c'était un délire pour lui, je sais pas. Mais c'est vrai, j'y avais même pas pensé, mais c'est un peu bizarre. Ouais, pis y'a d'autres trucs que j'ai vu bizarre, mais que je m'en souviens plus, mais... Notamment les gars qui se promènent pis qui tirent dans les airs, là. Ouais, qui sont encore en haut des buildings pis ils tirent leur toile dans les airs, mais y'a rien pour s'accrocher. Les fingers dans les avions, là. Ouais, ils s'accrochent après les nuages. Sinon, en gros, l'histoire, c'est Miles Morales qui se meurt par une araignée. Je pense deux jours plus tard, Spider-Man, Tobey Maguire meurt. Mort vraiment très décevante. Mais ils ont fait mourir le personnage. Ouais, con. Mais je trouve ça, tu sais, il a affronté pas mal d'affaires puis il se fait tuer comme une. Surtout que plus tard dans le film, on voit qu'il a survécu à la Infinity War, à la Secret War et à plein d'autres événements. Puis qu'il se fait écraser par un gros qui a même pas de pouvoir. Ok. Oh, tout le labo de Wilson Fisk est tout détruit, mais aussi est tout. J'ai trouvé ça bizarre en train de tout le temps. Ça, pour encore du film. Il y en a plein de fois bizarres, man. Comme je t'avais dit, là, qu'en une journée, il a eu ça sur un équipement, puis. Mais c'est ça l'animé. Moi, je pense que vraiment une très bonne question, ça sera voir combien de fois que Victor Fisk s'est ramassé en dedans. Dans Daredevil, s'est ramassé en dedans.
dans Spider-Man, le jeu, c'est remboursé. Ah, mais là, en tout cas. Tu sais, il s'est ramassé le de la. Non, c'est vrai que c'est allé une crise de fin de là. Sinon, après ça, il y a Prowler qui est un méchant qui est sorti de nulle part. Sinon, c'est l'oncle à Miles. Aaron Davis. Ouais. Tu me disais tantôt, mais on le voit dans Homecoming. Moi, on le voit dans Homecoming, il est joué par Donald Glover, qui joue. C'est qui a joué le style dans ça? En tout cas, il va faire Simba dans les mêmes soignons. Non, mais il joue dans beaucoup de films, il joue dans Han Solo, c'est vrai, il y a pas plein de. Le brawler est. Il est mal exploité, je suis désolé, il est mal exploité dans le film. En fait, tous les méchants secondaires, même la fille, je me souviens plus son nom, mais le Doc là. Docteur Octopus Fille. Ouais, mais je l'appelais, je sais plus, Liv, je crois. Ouais. Parce que t'as. T'es là. Ça, elle est sortie de nulle part, hein, la fille, man, j'en avais écrit sans vous. Ça m'a fait. Non plus, mais. Ils ont sorti des méchants, pis. Ben le scorpion on le connaît mais pas de même là si bois. Tu vois une fois. Puis le bouffon. Puis le bouffon c'est Hammerhead je pense qu'il l'appelait. Ah, c'est là on a vu le bouffon aussi. Ben le bouffon était quasiment rouge par exemple. Non mais ils ont tout exagéré je pense. Comment ils sont parce qu'il est combien de gros ici. Parce qu'en même temps. Il même pas les portes. Il peut même pas voir son pénis. Comment il faisait l'amour avec sa femme, c'est je crois que la science aussi vu que ton fils, ça c'est sa femme. Ah tu hein. Ça, c'est la femme! Ouais, doucement. Je sais pas comment il fait pour ça dans les pauses, tiens. Faut qu'il y ait de côté, genre, pour poser. Même là, même là, Chris. Et là, genre, c'est de la parole, là, qui dépassait, pis tu vois la face de la fille, c'est genre ici, là. Moi, sérieux, à jamais je le voyais apparaître, là, sa crédibilité était pour pas en tout cas, moi, je riais dans ma tête, pour voir jamais je le voyais. Fait que ça, j'aurais un peu décroché du film. C'est vrai que les méchants sont là à chier dans ce film. Mais moi, c'est vraiment un gros point faible du film, c'est que les méchants sont à chier. C'est pour ça que j'ai pas donné plus haut que 7.5. Parce que 7.5, c'est vraiment pour l'histoire de Miles, puis l'animation, mais les méchants, là. Oh, ouais. Premièrement, c'est même pas les méchants de la Spider-Verse. Puis les méchants sont nuls à chier. Mais ça, t'as quand même. Ils sont même pas menaçants, genre. Ouais, pis tu sais, en fait, ils ont comme quasiment tout pas de pouvoir. Ben, à part les secondaires, mais t'y vois tellement pas que tu le remarques pas. Pis Miles, il est over power. Tu sais, même, on voit tant que moi, pis je pense qu'elle a plus de gueule que Wilson Fisk aussi. Bon, ça m'a perturbé par exemple, voir ça. De voir que. Il y aurait fait au moins un méchant de la vraie Spider-Verse. Des vampires. Ouais, un des vampires, je l'appelle le même parce que c'est des vampires, man. Ils se nourrissent des pouvoirs des Spider-Man, des univers. Avant ça, il y a le oncle, l'oncle de. Ouais, Miles, qui meurt dans ses bras, pis qu'il se rend compte qu'il se battait contre son neveu, pis tout, pis il meurt. Pis c'est là, des éléments déclencheurs de Miles, plus la confession de son père. Ouais. Fait que c'est tellement le gamme d'émotions là, on fait en sorte que Miles s'est révélé. La scène avec son père, c'est bon, man. Ben la scène avec son oncle qui meurt aussi, c'était beau, je trouvais. C'était touchant. Puis la scène avec son père aussi. Ben tout ce bout là était très bon. En gros, là, pour ceux qui trippent Spider-Man pis souhaitent en devenir un, ben faut que t'ailles un membre de ta famille qui meurt. Ouais, parce que ouais, c'est tout demain. Mais pour vrai, dans le film d'animation, c'est vraiment ces bouts là qui m'ont marqué, là, les bouts touchants, en fait. Là. Bien. J'ai surpris qu'un film d'animation puisse autant dégager d'émotions. Mais en gros. Surtout un film de Spider-Man. Ouais. Mais en gros, Mice a. Mais Spider-Man a tout le temps dégagé de l'émotion, tu sais, dans Camus, nous, tous les Spider-Man ont tout le temps. Ma pomme commune. J'avoue, Homecoming par exemple. Si à part. Disney, man. À part l'émotion de Connery, oui. D'après moi, il va avoir une suite sur ça. Ben, j'espère, hein, parce que c'était bon. Oui. Parce que d'après moi, il y a déjà des bonnes critiques du film, pis d'après moi, il va avoir ce quand même pas mal d'argent. En gros, ça va inciter Mathieu à acheter plus de bandes d'ici. Ça prend du temps, hein, faire un film de même. Hein. Ouais, ben, s'il y a une suite, d'après moi, on sera pas avant 5 ans, ça. Ouais. Il y a de l'humour, c'est léger. L'humour, ben, drôle, pis ça lance à toutes les personnes, man. Marlon elle a ri, elle aime pas les Marvel, elle a ri, toi t'as ri, je t'ai vu rire, lui il a ri. Chris, je voyais fils pis je riais, c'est sûr que je riais. Oui, il y avait des jeunes dans la salle qui riaient, il y avait des vieux dans la salle qui riaient, il y avait moi qui riais. Ça c'est l'humour. En gros, ça touchait l'ancienne génération qui ont connu Peter Parker. Parce que justement, Spider-Man, ça date de là, tu sais, les années 40. Ouais, les petites références, il y a un camion de Stan Lee aussi qu'on a pas dit. Ouais, Stan Lee, ça me fait un.
Ouais, puis il y a même un message à la fin de Stanley, qu'on sait pas s'il était là au début, mais il était là. C'était un mémorial. Là. Ouais, alors un mémorial avec une phrase qui est citée. Le caméo de Stanley était quand même bon. Des fois son poche, mais là il était bon son caméo. Ouais, il était très bien fait. Il avait quand même une bonne place, tu sais. Il avait un rapport quand même un minimum. Là, c'était pas puis il a dit. Il tenait une boutique de souvenirs de Spider-Man. Ouais, là. Costume. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses à dire sur cette action qu'a fait Stanley dans cette séquence. Là, quand même. Une boutique de souvenirs, on leur dit garder souvenirs sur Stanley. Puis il dit à la mère, ben là, t'es. Inquiète-toi pas, regarde-le. Je vais pas le faire, mais ça va arriver, tu montes la barricade, mais pas d'échange, pas de. On parle, c'est quelqu'un qui t'a parqué un mort, puis que Miles s'en veut acheter un costume de Spider-Man. Heureusement, allez le voir. Ouais, c'est bon.